Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto Anatech pour savoir comment interpréter la LF500. Pour tout ce qui est éco-sondeur, on ne parle pas de lecture, on va parler d'interprétation. Donc ce qu'on va regarder en premier lieu, c'est la nature des fonds. Donc là on l'a mis en mode démo, c'est pas très significatif. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement la première et la deuxième couche. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que quand c'est rouge, c'est dur, quand c'est bleu, c'est mou. Après, en fonction de ça, à chacun d'évaluer quelle est la nature des fonds. Un creux entre 0 et 10 mètres n'aura pas la même signification au fond de l'eau qu'un creux entre 0 et 5 mètres. Les bateaux Anatech sont équipés d'une sonde qui balaye sur un angle de 60 degrés. Donc ce qu'il va falloir regarder, c'est ce qu'on a vu en premier, la couleur pour avoir la nature du fond, le profil sur l'éco-sondeur, sans oublier l'échelle de profondeur.